ce qui est le travail à partir du terrain. On est de plus en plus, dans les publications parisiennes, sous la coupe de gens qui sont tout à fait hors sol. Or, il y a d'abord un fait majeur s'agissant de la laïcité. Encore faut-il qu'elle soit acceptée. Or, elle l'a été, et c'est la Franche-Comté qui en a administré la preuve. Alors, j'ai là un document qui est très peu connu, mais qui est un document passionnant pour l'étude des mentalités. C'est la carte de la pratique religieuse en 1962. C'est une enquête qui a été faite sur le Doubs et la Haute-Saône, qui formait, c'est toujours le cas, le diocèse de Besançon. Alors, plus c'est bleu, plus il y avait de gens qui fréquentaient l'église. Et puis plus c'était rouge, moins il y en avait. Alors, toi qui es de la Haute-Saône, alors la Haute-Saône... Je ne suis pas de la Haute-Saône, moi, je suis de hasard. La Haute-Saône, c'est un patchwork incroyable. Mais c'est pas si mal que ça. Mais ce qu'il y a de capital, c'est le fait que là, on a le bloc de ce qu'on appelle la Petite Vendée. C'est pas tout le Haut-Doubs. Le Haut-Doubs de Mout, c'est pas pareil. Ça a été beaucoup plus radical. Or, dans ce bloc de la Petite Vendée, il y avait, alors, à la différence de l'autre Vendée, très peu d'écoles privées. C'est pour des raisons historiques que je pourrais développer. Et par conséquent, la population fréquentait l'école publique, les enfants fréquentaient l'école publique. Et la preuve a été apportée que, contrairement à ce que disaient ses adversaires, la laïcité n'a pas été une machine de guerre anti-religieuse, parce que ça a été prouvé. Alors, curieusement, ça a été prouvé notamment par une thèse qui a été soutenue en Sorbonne par un prêtre qui s'appelait Huoplot, que j'ai bien connu, et qui a étudié le recrutement des séminaires, à l'époque où il y avait les petits séminaires. Il y en avait à Luxeuil, il y en avait à Consolation, etc. etc. Et il dit, en 1953, sur 570 qui fréquentaient ces classes de la 6e à la 3e, 82% venaient de l'enseignement public. C'était donc la preuve que l'école publique n'avait pas été une machine de guerre anti. Par les protestants. Les protestants du pays de Montbéliard avaient de longue date leur propre système scolaire. Il y avait même deux écoles normales pour former les instituteurs protestants à Montbéliard. Ils les ont, ils les ont donnés à l'école publique, ils ont accepté la laïcisation, ils ont accepté les lois Ferry, et on ne peut pas dire que le protestantisme montbéliardais ait été affecté. Donc, voilà déjà une première chose, la laïcité, contrairement à ce qu'on a pu dire et écrire, n'a pas été une machine de guerre anti-religieuse. On peut même dire que la Franche-Comté a été une sorte de laboratoire de la laïcité. Et cette question de la laïcité, moi, j'y étais confronté dès mon entrée en seconde à l'École normale d'instituteurs, puisque en 1952, il y a eu à Besançon une grande manifestation organisée par le Comité national d'action laïque, dont on reparle ces jours derniers, parce qu'il y a une enquête de la part de ce qu'il en reste, mais qui n'est plus rien par rapport à ce que ça a été. Et le Comité national d'action laïque avait préparé, organisé un grand meeting à Besançon de toute la France de l'Est, dans le cas du 150e anniversaire de la naissance de Victor Hugo, c'était l'occasion, et c'était pour protester contre les premières lois d'aide aux écoles privées qui avaient été adoptées en 1951 et qu'on appelait notamment la loi Barranger. Alors, il y avait deux parties, une partie culturelle, et puis une partie le matin, et puis une partie meeting.
Pour la partie culturelle, il fallait qu'il y ait des interventions normaliennes, normaliennes. Moi, j'étais élève en seconde, le directeur est venu dans la classe, nous a tous fait réciter, et j'ai été sélectionné pour réciter de Victor Hugo au théâtre municipal, ce qui m'a valu une belle promotion, parce que dans les écoles normales primaires, on entretenait les locaux. Hein, c'était pour nous rappeler la modicité des tâches qui nous attendaient. Alors moi, on m'avait confié une petite salle d'études, j'avais un arrosoir pour étouffer la poussière. Le lendemain, alors, tous les matins, à l'école normale, c'était vrai aussi chez les filles, il y avait le rassemblement de tous les élèves. On était 80 en tout, c'est ce que de Madeleine. Hein. Puis le directeur vérifiait si les chaussures étaient cirées, il donnait les consignes pour la journée, enfin des choses comme ça. Et le lendemain, il a dit, il a bien récité, il aura une promotion. Il deviendra bibliothécaire. Je me retrouve à la bibliothèque. Alors là, c'était un parquet ciré. Donc j'avais des patins et je pouvais lire. Et c'est là que j'ai fait, par exemple, la découverte du journal Le Monde, de la revue Esprit, hein, quand j'étais élève en seconde. Ça a été mon premier contact. Et j'ai été amené à suivre cette affaire. Et lorsque j'ai été député, j'ai été désigné par Pierre Jox, qui était quand même président de groupe et qui est une référence en matière de laïcité, pour être le porte-parole lors de la discussion de la motion de censure qui avait été déposée et défendue par Chirac. Hein. Et alors, c'est la pire séance que j'ai vécue à l'Assemblée nationale, parce que quand il y a une motion de censure, on enregistre uniquement les votes de ceux qui adoptent la motion. Par conséquent, ne sont présents que ceux qui vont voter, ne sont présents pratiquement que les opposants. Il y avait deux ou trois copains, pas plus. Puis il y avait toute la droite qui était déchaînée, parce qu'il faut voir ce que c'était que l'atmosphère lors de l'adoption, la discussion du projet Savary. Il y avait quand même eu plus d'un... Alors là, c'est sans doute la plus grosse manif, plus d'un million, ça c'est sûr. C'est pas selon la police, selon les organisateurs. Ça a été épouvantable. De toute façon, j'en ai gardé un très mauvais souvenir. Mais il s'est trouvé que j'étais très ami d'Alain Savary, qui avait contribué à la naissance du Parti d'Épinay avec ses clubs, et il y avait dans le Doubs trois clubs qui étaient affiliés à l'UCRG, l'Union des clubs pour le renouveau de la gauche, dont Alain Savary était le leader. Il y avait celui de Montbéliard, qu'on appelait le club Proudhon, avec notamment beaucoup d'ingénieurs CFDT de Sochaux, hein, et puis pas mal d'enseignants, etc. Il y avait le club Action Démocratie du Haut-Doubs, avec Robert Schwint et Parnin, le paysan. Hein. Et puis, il y avait ici un club qu'on appelait le club Reconstruction, qui était lié à cette revue qui avait contribué à la transformation de la CFTC en CFDT. Donc, je me suis trouvé extrêmement proche d'Alain Savary, hein, qui avait quand même été un grand ami de Bouloche. Tous deux étaient compagnons de la Libération, je signale au passage. Pour la petite histoire, mais est-ce qu'une petite histoire? Moi, j'ai essayé de faire comprendre ça en disant, il y a une fusion en Bourgogne-Franche-Comté, il faudrait peut-être quand même bien qu'on voit ce qu'on a de commun en histoire. Et je me suis rendu compte que pratiquement personne ne savait qu'Alain Savary, qui avait rejoint la France libre, qui lui avait rallié Saint-Pierre et Miquelon, ce qui n'est pas rien, hein, puisque c'était pétainiste possible, hein, eh bien, Alain Savary s'est trouvé à la tête de l'unité qui, débarquée dans le Midi le 15 août 1944, a fait la jonction avec ceux qui venaient du front de Normandie, de la division Leclerc. Et la jonction s'est faite près de Montbard. Pareil d'ailleurs, qu'il y a un petit monument qui retrace ça. Alors moi, j'ai dit aux copains conseillers régionaux, il faudrait peut-être quand même rappeler des choses comme celle-là, hein, parce qu'Alain Savary, c'est quand même pas rien. On m'a pas répondu, mais enfin bon, c'est comme ça. Donc, j'ai été très proche d'Alain Savary, et puis j'ai été lié aux discussions, notamment avec le Comité National d'Action Laïque. Hein. Alors, le Comité National d'Action Laïque, c'était la Fédération de l'Éducation Nationale qui a eu jusqu'à 550 000 cotisants avant 81, hein, instit, prof, supérieur, agent, etc., etc. Hein, c'était 85% des voix aux élections professionnelles. Entre parenthèses, à l'époque, il y avait deux listes, hein, celle du Sguen et puis celle de la FEN. Hein. Maintenant, il y en a 12.
pourrais m'expliquer pourquoi, je vous le dirai si vous me demandez. Hein. Alors, il y avait donc la FEN, il y avait le syndicat des insulteurs, mais qui était de la FEN, mais en même temps qui avait son autonomie. Hein. Alors, la FEN a éclaté pour donner naissance à la FSU, hein, et puis à l'UNSA, les effectifs se sont effondrés. Il y avait la SCPE, la Ligue de l'enseignement et la Fédération nationale des délégués départementaux d'éducation nationale. Les délégués départementaux, c'est des retraités, souvent, hein, t'en es, hein, oui, voilà, qui vont dans les écoles, hein, pour voir si les conditions matérielles d'exercice de l'enseignement sont bien correctes. Oh, pas que matérielles. Pas que matérielles, oui. La tâche est tout sauf la pédagogie. Sauf la pédagogie. Hein. Alors du coup, j'ai correspondu, par exemple, avec le secrétaire général, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, du CNAL, comme on dit, comme Comité National d'Amérique, et qui m'écrit en avril 1985, mon cher Joseph, on était devenus vraiment très liés, alors qu'au départ, il y avait beaucoup de méfiance, parce que moi, j'étais du SGAN. Hein, et il y avait ce vieux clivage qu'on a réussi à surmonter. Hein. Et puis, j'avais connu, quand j'étais à l'école normale supérieure à Saint-Cloud, personnage d'une très grande, comment dirais-je, force intellectuelle, qui était un jeune aumônier qui s'appelait Lustiger, qui est devenu cardinal, hein, et que j'ai rencontré, hein, avec lequel j'ai beaucoup échangé, et j'ai là une lettre, par exemple, « Merci de ta lettre, cher Joseph ». Entre parenthèses, au plus fort de la bagarre sur le plan Savary, je lui avais dit « Il y a quand même quelque chose d'assez choquant » qui est l'utilisation de l'expression « école libre ». Parce que c'est très désobligeant vis-à-vis de l'école publique. Il m'a dit « Je suis un ancien de la X », ce qui était vrai, « Je te promets que je ferai une déclaration dans laquelle je dirai que je n'emploierai jamais l'expression « école libre ». Et dans le journal du dimanche du 22 mars 1984, au plus fort de la bagarre, il a dit « Je n'emploie pas l'expression « enseignement libre », je dis « enseignement privé », hein, une déclaration à un jeune journaliste qui n'était pas connu, s'appelait Patrick Poirot d'Arvor, hein, j'ai pas connu à l'époque. Hein. Ça n'a l'air de rien, hein, mais comme l'a dit Camus, à mal nommer les choses, on ajoute à la misère du monde. Hein. Donc, il s'est trouvé que j'ai été à la jonction, hein, de deux grandes forces, hein, qui s'affrontaient sur ce sujet. Hein. Alors, très brièvement, au risque de prendre un peu à rebrousse-poil par rapport à ce qui se dit de la part de gens qui parlent de la loi 1905, mais qui ne la connaissent pas, hein, la République ne reconnaît aucun culte, mais elle les connaît. Elle les connaît nécessairement. Hein. Là, quand on lit le texte de la loi, hein, qu'est-ce qu'on allait faire des lieux de culte, notamment des 36 000 églises. Enfin, les cathédrales ont été données à l'État. Hein, c'est l'État qui s'occupe des cathédrales. Mais la plupart, et dans le pays Montbéliard, ça vaut pour les temps, puis pas rien que dans le pays Montbéliard, ces lieux sont propriété communale. Hein. À qui va-t-on les confier, hein? Alors, il y a eu une énorme bagarre. Hein. Et c'est Jaurès et Briand qui ont apporté une solution qui évitait des tensions qui auraient pu dégénérer, hein, l'article 4 de la loi dit que l'usage des lieux de culte est transféré aux associations qui, alors je cite, « en se conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, seront légalement formées ». Ça veut dire que les églises, puisque c'était le catholicisme qui était le plus concerné, sont confiées à des prêtres qui doivent être nommé par l'évêque. Hein. Je ne sais pas, moi, je suis de Fontaine, si quelqu'un crée une secte à Fontaine, va trouver le maire et lui dit « moi je veux la clé de l'église pour exercer mon culte », le maire lui dira « non ». Hein. En vertu de l'article 4 de la loi 1905, vous n'avez pas cette possibilité-là. Hein. Alors, un autre article, hein, qui est l'article 27, les cérémonies, processions, autres manifestations extérieures d'un culte continueront à être réglées en conformité aux articles de la loi municipale de 84. Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal, hein, et en cas de désaccord entre le maire
est le directeur de l'association culturelle par arrêté préfectoral. Hein. Donc, par exemple, quand il y a eu, c'est une histoire très compliquée, hein, il y a eu à Besançon interdiction des processions en 1892. Bon. Et puis, dans les années 30, le maire Siffert avait dit on n'applique pas. Notamment, ça a été dans le contexte de cette espèce d'union sacrée qui s'est reconstituée face à la menace de Mussolini et d'Hitler. Et après la libération, la municipalité Manchot avait pris un arrêté pour interdire la procession. Le Conseil d'État a cassé l'arrêté Manchot, qui lui a coûté extrêmement cher. Non pas pour frais de procédure, mais la procession a eu lieu. Alors, il y avait des déportés qui venaient de rentrer un habit de déporté, enfin, ça a largement contribué à cette défaite de la gauche en 1947. Elle a été laminée par un raz-de-marée national gaulliste du RPF, mais à Besançon, ça a été vraiment la Bérésina, un peu à cause de ça. Et alors, il y a un point d'histoire qui n'est pas suffisamment, comment dire, intégré dans les mentalités. La loi de 1905, elle a été combattue âprement, notamment à cause des fameux inventaires, parce qu'il n'y avait pas simplement les églises, mais encore il y avait tout ce qu'il y avait dedans, des tableaux, des objets du culte, etc. Donc c'est les modérés qui avaient demandé qu'on en fasse un inventaire pour éviter que ça soit dispersé à volo. Mais ça a été l'occasion de manifestations. Alors il y a des coins, comme au Russet, le siège a duré 30 jours, en Haute-Saône, il y avait un coin où il y avait un mort. Bon, on a cru qu'il y avait vraiment une opposition très forte à la loi 1905. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et la preuve en est que dans la foulée, il y a des élections. La loi est votée 9 décembre 1905. Premier scrutin, le renouvellement du tiers du Sénat. Dans le Jura, que pas spécialement un département d'extrême gauche, dans le Jura, les opposants à la loi ne peuvent même pas présenter des candidats. Et si on prend l'ensemble de la Franche-Comté, il y avait 14 députés. Il y en a 12 qui avaient voté pour la loi de séparation. Il y en a 2 qui ont voté contre. Le marquis de Moustier, mais il a dit, moi, sur le fond, je suis d'accord. Mais je suis d'une famille de diplomates. La loi de séparation met un terme au concordat. Le concordat, c'est un accord entre deux parties. J'aurais voulu qu'il y ait une discussion avec l'autre partie. Mais il était contre les manifs de ceux qui rouspétaient contre les inventaires. Et l'autre député, c'est celui de Pontarlier. Alors attention, la circonscription de Pontarlier ne comportait pas le canton du Russet. Elle allait jusque-là. Par une bizarrerie, le canton du Russet faisait partie de l'arrondissement de Montbéliard. J'ouvre une parenthèse pour dire que on connaît mal les réalités historiques. Quand Schwint a été élu maire pour la première fois, en 59, au Russet, on a dit, c'est formidable, un protestant lui-même. Mais tout au long de la Troisième République, les curés disaient aux gens, votez pour le candidat de droite, il est protestant, c'est bien dommage, mais votez pas pour le franc-maçon radical. Donc c'était pas du tout la première fois que les gens, ça n'enlève rien au mérite de Robert qui ont été grands. Je sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait paraître dans l'Esprit Républicain, sur ce qui s'est passé en juin 68 dans le Houdou, quand on a placardé des affiches injurieuses jusque sur la porte de son appartement. Il est bon ton dire maintenant, Robert, il était un peu mou, etc. Il a quand même été candidat contre Edgar Faure en 67. Il a été candidat en 68, alors dans un contexte absolument épouvantable. Il a été candidat quand Edgar Faure a été foutu dehors du gouvernement en 69, Edgar Faure a été viré du gouvernement parce que jugé gauchiste, notamment sous l'influence du syndicat SNALC. Aujourd'hui, on est dans un, pardonnez-moi l'expression, un bordel idéologique pas possible. Je connais un des plus jeunes espoirs de la franc-maçonnerie qui est syndiqué au SNALC, le syndicat qui était vraiment à la droite de la droite. Donc, 69, ils ont obtenu qu'Edgar soit viré. Edgar a voulu réintégrer l'Assemblée, il a provoqué une partielle, et le Robert y est allé pour la troisième fois. Moi, je lui avais dit, écoute, tes électeurs du Russet, ils vont peut-être finir par se fatiguer de voir que tu vas comme ça te ramasser
te ramasser vraiment des claques. Hein. Et alors, donc, tout ça pour vous dire que la loi de séparation hein, a été acceptée, y compris par un très grand nombre de catholiques. Hein. Dans le canton, dans la circonscription de Pontarlier, hein, donc le sortant de droite qui avait voté contre la loi est battu. Hein. Et alors, les journaux cléricaux disent, mais enfin, c'est incroyable. Hein. Voilà un village. Hein. Le matin, il y a 80 hommes à la messe, c'est le jour des élections. Soit, il y a 60 voix du bon côté. Il y a 20 Judas dans la paroisse. C'était écrit dans les journaux cléricaux. Hein. Et il y avait eu vraiment une espèce de campagne d'intoxication. Hein. Voilà les panneaux qu'il y avait, électeurs catholiques. Vos églises seront fermées à partir du 9 décembre si vous votez pour des députés blocards. Hein. Le bloc était le bloc des gauches. Hein. Il n'en meurt pas moins qu'une proportion importante de catholiques pratiquants ont voté pour des candidats radicaux contre une droite qui était une droite intégriste. Alors bien sûr qu'il y a eu des manifestations, voilà, par exemple l'éclair comtois, ce journal absolument abominable, antisémite, etc. Hein, l'assaut de la cathédrale de Besançon, c'est le titre, c'est quand il y a eu l'inventaire. Mais si vous prenez la Madeleine hein, à Besançon, hein, où il y a un patrimoine fantastique, fantastique, d'ailleurs extrêmement bien mis en valeur par une association avec Dénommé Weber. Hein. Bon, l'inventaire s'est fait à 6 heures du matin, dans la discrétion. Le curé de Chanoine Rossignol est un républicain, et il a tenu à ce qu'il n'y ait pas le moindre incident. Hein. Donc, on a une présentation qui est tout à fait biaisée de cette affaire-là. Hein. Et alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a eu une confusion qui peut subsister entre, j'allais dire, laïcité et athéisme d'État. Hein. Au moment de la loi, de la discussion de la loi, il y avait entre un quart et un tiers des parlementaires qui voulaient une république ouvertement athée. Notamment, c'était le cas du député de Besançon, Bocquier. Hein. Entre parenthèses, lui, il a été élu 8 fois de suite, 6 fois au premier tour. Hein. Il y a de quoi faire bavé de jalousie, pas mal de candidats aux élections. Hein. Donc, cette affaire-là, hein, confusion entre laïcité et athéisme d'État, et il a fallu toute la finesse de Jaurès et d'Aristide Briand pour que la loi ne soit pas une loi de proscription, mais soit une loi qui soit une loi de compromis. Hein. Alors, de cela, il reste des traces, hein. Par exemple, à ma connaissance, jamais le PC, qui a toujours de fer au feu, d'un côté la main tendue au milieu catholique, et de l'autre côté un marxisme doctrinaire, hein, jamais le PC n'a précisé sa position. Hein. Je n'ai pas gardé quantité de documents de mon séjour à l'école normale supérieure à Saint-Cloud. Là, j'ai là une note au moment de la discussion de la loi de Bray. Hein, la cellule du PC, dont c'est curieux, l'un des responsables à droite, 2 pages dans Le Monde d'aujourd'hui, c'est le major de ma promo qui s'appelait Godelier, c'est le grand anthropologue. Bon, hein. L'école laïque en une RSS, dont l'orientation est athée, n'est-elle que parce que la société soviétique était en avance d'une révolution, possède désormais d'une manière irréversible dans son acquis culturel les principes de l'athéisme. Bon, c'était la doctrine. Est-ce que il y a eu une sorte de concile du PC pour dire on la garde, il n'y a rien. Hein. C'est toujours de faire, c'est toujours ce côté de faire au feu. Hein. Ou alors, si vous prenez l'histoire de l'enseignement du fait religieux, qui est devenu indispensable du fait d'une méconnaissance totale liée à un phénomène extrêmement important, hein, le fait que la loi de 1882 avait expressément prévu, de la part de Jules Ferry, qu'un jour soit libéré pour permettre aux familles de donner à leurs enfants l'instruction religieuse de leur choix. Hein? Bon, c'est inscrit à l'article 2 de la loi Jules Ferry. Bien. Hein? Et il y avait un taux de fréquentation, que ce soit chez les catholiques ou chez les protestants, hein, extrêmement important, hein, qui s'est effondré. Hein? Alors du coup, il y a une méconnaissance qui est préjudiciable à la connaissance de l'histoire et de la civilisation, etc. D'où cette idée hein,
faire un enseignement laïque du fait religieux. Ben, voilà ce qu'en dit Lutte ouvrière. Que les élèves sachent que la conception religieuse du monde est une tentative primitive, imaginaire d'expliquer le monde et d'agir sur lui, hein, ça date de 2002. Hein. Et eu égard à la faiblesse des organisations syndicales, ce sont des gens qui disposent mais désormais de postes importants dans les directions de syndicats. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse, hein, pas plus tard qu'hier, hein, à propos de ce qui se passe chez PSA Vesoul. Vous avez une grande photo dans l'Est, hein, et vous avez... apparaît essentiellement le leader de la CGT-PSA, qui s'appelle Mercier. Hein? Bon, c'est lui qui est le patron de toutes les structures CGT-PSA de tout l'Hexagone. Bon. Mais les médias ne disent jamais qu'il est le week-end porte-parole officiel de Lutte ouvrière. C'est-à-dire qu'il y a cumul entre la responsabilité syndicale qu'il exerce et la responsabilité politique. Hein? Il a été candidat aux législatives à Bagnolet, qui n'est pas spécialement le 16e arrondissement, il s'est ramassé 0,88%. Comment voulez-vous qu'il ne soit pas d'une radicalisation extrême? Bon, ben c'est invraisemblable. Il a eu droit à 10 minutes hier sur France Bleu. Personne ne dit que, par ailleurs, il a ça. Et je ferme ma parenthèse en disant qu'il y a encore 20 ans, jamais il n'aurait accédé à une responsabilité de ce niveau, car le PC, qui contrôlait la CGT, l'aurait foutu dehors, ou le pied dans le cul. Parce que c'est comme ça que ça se passait. Il n'y a plus... possibilité d'éviter le noyautage des trois factions trotskistes s'y entendant vraiment à merveille pour accéder désormais à des postes qui sont par ailleurs accompagnés de décharges, etc., hein, dont ils font un usage qui mériterait. Bon, je ferme ces parenthèses. Bon. Et alors, vous avez par exemple, et c'est pas connu, hein, une proposition de loi de Mélenchon au Sénat en 2002, hein, article 24, les services d'aumônerie dans les services publics sont supprimés. Hein. Or, c'est en contradiction, hein, formelle avec l'article 2 de la loi de 1905. Hein. Alors, article 2, la République ne reconnaît le salarié ni ne subventionne aucun culte. Hein. Pourront toutefois être inscrits au budget des établissements les dépenses relatives à des services d'aumônerie destinés à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Mais ce n'est pas l'armée, hein, qui avait déjà un statut à part. Hein. Mais les aumôneries sont officiellement reconnues dès l'article 2 de la loi de 1905. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup qui ne croient pas ça. Hein. Et alors, ce qui me paraît important, c'est la nécessité de replacer les faits dans leur contexte. Hein. Ça, on ne le fait plus. Hein. On est soumis à une dictature de l'immédiat. Alors, je prends un exemple précis, hein, que j'ai développé dans mon livre sur la laïcité. Hein. J'ai reproduit le document. Hein. Voilà. C'est la photocopie d'un extrait du journal officiel. Hein. Adoption d'un projet de loi relatif à la construction d'un institut musulman à Paris. C'est à la Chambre des députés, c'est le 9 juillet 1920. Monsieur le Président, l'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi portant affectation d'une subvention de 500 000 francs à la Société des Habous des lieux saints de l'islam pour la construction d'un institut musulman à Paris. Personne ne demande la parole? Personne. Je consulte sur le passage à la discussion de l'article unique. Hein, Monsieur le Président, alors il lit l'article, hein, il est ouvert au ministère des Affaires étrangères un crédit de 500 000 francs aux dépenses exceptionnelles intitulé « Subvention à la Société des Habous des lieux saints de l'islam pour la construction d'un institut musulman à Paris ». Personne ne demande la parole ? À l'unanimité. Subvention pour la mosquée de Paris, hein, à l'unanimité. Bon. Au Sénat, il y a eu 17 voix contre. Hein. On a dit, oh ben on n'en ferait pas autant pour les catholiques. Bon, c'était les sénateurs de la droite la plus dure. Et pourquoi ça? Tout simplement parce qu'on cherchait le moyen de rendre un hommage aux soldats musulmans tués pendant la Première Guerre mondiale. C'était ça la raison essentielle. Et alors, l'inauguration, une fois la construction, en 26, se fait en grande pompe, hein, et avec la présence de délégations musulmanes, hein,
venus de... il y en avait de l'Inde partout, parce que c'était l'occasion de montrer que la France était quand même... s'était donné les moyens d'entretenir des relations positives avec le monde musulman. Je vous cite une parenthèse. Par rapport à l'inculture relative à ce monde musulman. Moi, j'ai commencé une carrière de professeur de lycée à 50 ans. J'avais été professeur d'école normale, directeur d'études au centre de formation des professeurs de collège. Et puis, quand j'ai quitté le Parlement, on m'a nommé dans un lycée. Et j'avais une excellente classe. Et je mets au tableau la formule suivante. Tous les musulmans ne sont pas arabes, tous les arabes ne sont pas musulmans. C'était des traits, ils m'ont regardé comme ça. Ils ne savaient pas que le pays où il y a le plus de musulmans, c'est l'Indonésie. Ils ne savaient pas qu'il y avait des arabes chrétiens. C'est quand même un peu fort. Bon, alors, voilà ce qu'il en est. Il y a des choses de cette nature-là. Et alors, ce qui est peut-être le plus étonnant dans les documents que j'ai pu consulter, c'est ce qui s'est passé au Parlement le 10 février 1939. Ouverture de la séance de la Chambre des députés, le président, c'est Édouard Herriot. Alors, Édouard Herriot, maire de Lyon, radical, vomi par les cléricaux. Et alors, voilà comment ça commence. Monsieur le président, mes chers collègues, le pape Pie XI s'est éteint. Sur tous les bancs, les députés se lèvent. Et Édouard Herriot fait un éloge du pape Pie XI. Le gouvernement est représenté par Daladier, radical, président du Conseil, qui s'associe à l'hommage. Et le président reprend la parole. La Chambre voudra sans doute lever sa séance en signe de deuil. Février 39. Si on passe au Sénat, au Sénat, le président, c'est Jules Janney, c'est un Haussonnois. Entre parenthèses, on ne le dit pas assez, c'est le seul qui a été ministre, et de Clémenceau et de Gaulle. Et pas rien. Bon. Et le petit-fils. Et le petit-fils, Jean-Noël, est un intellectuel d'une qualité remarquable. Entre parenthèses, à propos de Jean-Noël, il est tellement brillant dans la manière de s'exprimer, des fois, séduit par la forme, j'en oublie le fond. Mais il est. Puis c'est quelqu'un de. Non, mais c'est quelqu'un de très nuancé, c'est la finesse et puis la gentillesse. Puis très attaché à sa Haute-Saône. Jules Janney, il est élu sénateur pour la première fois en Haute-Saône en 1909. Qu'est-ce que dit ce canard, l'éclair comtois, quotidien, un éternel ennemi de nos croyances et de nos libertés, prêt à barboter à son aise dans la mare aux grenouilles. Alors, il est élu par 608 voix sur 949. Les radicaux, c'était les deux tiers des voix chez les grands électeurs de Haute-Saône. Alors, commentaire de ceux qui ont été blackboulés, les feuilles juives et maçonniques de la région manifestent une joie puérile du triomphe remporté par le parti de l'assiette au beurre et de la bouteille. Et alors, il a été élu grâce aux voix des stipendiés de la préfecture, au suffrage restreint, qu'on pourrait appeler plus justement suffrage circoncis dans ce département asservi à la domination de la juiverie. Voilà comment était traité Jules Janney. Bon, il n'empêche que la séance au Sénat se déroule exactement de la même manière. Monsieur le Président, mes chers collègues, sa sainteté Pie XI a succombé ce matin à l'aube. Messieurs les sénateurs et messieurs les membres du gouvernement célèbre, un éloge, le ministre des Affaires étrangères s'y associe. La séance, elle vient en signe de lettre. Alors, dans mon bouquin, j'explique le pourquoi de ce qui peut paraître absolument étrange et pas du tout conforme à la tradition singulièrement de la Troisième République qui apparaît quand même comme le parangon de la laïcité. J'explique en long, en large. Ils étaient reconnaissants à Pie XI d'avoir condamné l'action française. Ils étaient... Alors, qu'il avait aussi condamné les colériques. Ils étaient reconnaissants à Pie XI d'avoir soutenu l'action de la Société des Nations pour la paix. Et puis, il faut bien voir qu'on est en février 1939. Moi, ce qui m'affole au jour d'aujourd'hui, c'est le fait que on ne j'aime pas le mot, mais enfin, on ne contextualise plus.
Ça, c'est dramatique. Alors, j'ai regardé, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. Franco, vous êtes gagné. Hein? Bon. Bon. En Italie, il y avait des manifestations monstres pour réclamer Nice, la Savoie, la Tunisie, Djibouti. C'était le gouvernement qui par derrière, actionnait pour qu'il y ait ces manifs. En Allemagne, Hitler réclamait des colonies. La France était dans une merde. Pas possible. On ne pouvait pas compter sur les Anglais. Chamberlain, par exemple, sur l'Espagne, Chamberlain avait dit, écoutez, si vous bougez pour défendre l'Espagne républicaine, nous, on vous désavoue. Hein. Bon. Et alors, il y a eu une sorte de réflexe d'union sacrée en France. Hein. Oui, ça ressemblait à l'union sacrée. Et sans que ça soit du calcul, avoir un geste de sympathie à l'égard du monde catholique dans le monde entier, à une époque où plus de la moitié des missionnaires catholiques étaient français, hein, chez les jésuites, les dominicains, les franciscains, etc., etc., c'était de bonne politique. Hein, essayer de trouver quelques appuis à une France qui était tragiquement, mais tragiquement isolée. Voilà le pourquoi, le comment. Alors, si j'ai intitulé ce livre « Laïcité et fraternité », c'est parce que j'ai aussi voulu montrer comment des gens qui avaient tout pour se détester ont appris à se connaître dans des circonstances souvent difficiles. Hein. Et c'est un peu aussi pour appeler à l'écoute, hein, et ne pas être enfermé dans les héritages qu'on a reçus de sa famille au point de vue culturel, etc. Alors, je citerai par exemple Malraux. Malraux, fils de mineur, école normale d'instituteurs, instit, devient député du Tarn. Bon, il est l'un des 80 à dire non à Pétain. Hein. Il rentre chez lui, il est totalement isolé parce que beaucoup de socialistes avaient rejoint DEA qui s'était converti au pacifisme, des circonstances que je pourrais vous expliquer, hein, qui sont passionnantes à étudier. Hein. Et sa fille dit, il était député. Hein, le téléphone ne sonnait plus. Il était complètement isolé. Hein. Déchu de ses fonctions de maire par Vichy. Hein. Et voilà qu'un beau jour, arrive un bel équipage à cheval devant chez lui. C'était son adversaire politique, le marquis Charles d'Aragon, hein, démocrate chrétien, anti-fasciste, anti-nazi, qui est venu ostensiblement saluer celui qui avait été son adversaire. Ça a de la gueule. Hein. Malraux, hélas, sera déporté et mourra en déportation. Je suis toujours en relation avec sa nièce. Hein. Un autre personnage, alors cette fois-ci de la droite républicaine, Pernod, qui a été député, Georges Pernod, député, sénateur, garde des Sceaux, et qui aurait pu, s'il avait voulu, être président de la République en 1953, c'est une autre affaire. Hein. Sous l'occupation, il est sollicité par l'ancien garde des Sceaux de la République d'Espagne, menacé d'extradition. Franco avait demandé l'extradition, et quand on sait les liens privilégiés entre Franco et Pétain, qui avait été ambassadeur à Madrid, hein, qui avait tout fait pour soutenir Franco, hein, on pouvait être sûr que si Franco obtenait satisfaction, le personnage en question, il était... condamné à mort au garrot. Hein, d'ailleurs, les accusations étaient... Bon, passons. Et Georges Pernod, qui était catholique social, qui était un excellent juriste, hein, n'écoutant que la haute conception qui se faisait du droit, a plaidé et a gagné. Il a gagné. Hein. Et du coup, il a été sollicité, Georges Pernod, par un ancien ministre des Travaux publics, un ancien député au Cortés, un ancien ministre basque. À chaque fois, il a plaidé, il a gagné. Ça a de la gueule, ça a de la gueule, parce qu'il devait détester le Front populaire espagnol, hein, le Frente Crapular, comme on disait à droite à l'époque. Hein. Bon, et alors, il y en a comme ça toute une série. Hein. Il y a à Besançon, j'en cite pas mal, hein, l'amitié entre Henri Huot, franc-maçon, qui était ostensiblement franc-maçon, hein, ami de l'abbé Chaïs, hein, qui s'occupait des Nord-Africains sans prosélytisme, hein, une amitié vraiment très forte, hein. Ou alors le père Chaillet, ce jésuite qui a créé le témoignage chrétien, qui est de Saint-Varé, de là à côté, hein, à qui Maurice Schumann a rendu hommage, un hommage qui commence par cette phrase,
vous avez été notre 18 juin spirituel, et qui est devenu, dans les assos qui s'occupaient de la réinsertion des déportés, comité des obsèques de la résistance, l'ami du vénérable de la loge maçonnique de Besançon, le père Baudouin, qui était secrétaire de l'inspection académique, révoqué par Vichy, qui a été adjoint en temps de Mainjot à la Libération. J'en ai comme ça toute une série, hein, pour montrer qu'il y a des circonstances où des gens qui avaient tout pour se bouffer le nez, hein, ont appris à se connaître, à s'estimer. Hein, et par voie de conséquence, il faut se méfier de tout ce qui est enfermement. Hein. Alors, je pourrais prolonger, hein, avec l'histoire de cette famille exceptionnelle, qui est la famille de Moustier. Hein, et le marquis, alors il y a celui qui a été l'un des 80 d'Irnon à Pétain, qui a été résistant, qui est mort en déportation, et son fils Roland, comme son père devient député et prénom de droite, et en 1954 dit, il n'y a qu'un homme qui peut nous sortir du pétrin de la guerre d'Indochine, c'est Mendès France, hein, et il devient ministre de Mendès France. Alors du coup, il se fera virer comme un malpropre, alors qu'il était élu président du Conseil général à l'unanimité, tout le Haut-Doubs s'est ligué contre lui, hein, on l'a vraiment foutu à la porte. Alors, son discours, quand il est parti, est un discours exceptionnel. Hein. Il a dit, notamment, celui qui était, comment dirais-je, l'animateur de la cabale, c'était Maillot du Haut-Doubs, qui avait été d'Action française. Il était royaliste. Du Barbou, maire du Barbou. Hein. Et Roland de Moustier, avant de quitter la présidence, enfin, quand il a quitté la présidence, un petit discours qu'il a fait pour rappeler la tradition républicaine de sa famille, il a dit, oh, mais je connais bien, il n'a pas cité le nom, je l'ai connu dans tous les complots pour abattre la République. Je suis même intervenu auprès du garde des Sceaux pour le faire sortir de prison, à la Libération, parce qu'il en avait mis en taule, le maillot, il a été collabo. Hein. Et la dernière phrase de Roland de Moustier, ça a été, c'est le genre de service qu'on ne pardonne pas. Il avait fait des démarches pour faire libérer. Il avait dit, j'ai fait des démarches, arguant de son intempérance de langage, puis un peu de son esprit limité. On l'appelait le saut du doux. Hein. Oui. Dernière parenthèse. Je ne suis pas là pour faire un truc de cathédra. Quand Edgar Faure, qu'il jura, où il avait été battu en 58 aux législatives, quand il est venu dans le Doubs, il avait pris le maillot comme suppléant. Alors, grand meeting à Pontarlier, présentation, hein, on était gonflés à l'époque. On y monte en deux chevaux, il y avait Gaston Bordet, il y avait Jean Cassard, le père du grand pianiste. Hein, Jean Cassard qui, hélas, s'est tué dans le champ de la route. Hein. On dit, ça se faisait encore, la contradiction à l'époque. Oui. Hein. Bon, alors, le théâtre Pontarlier était comble. Hein. Alors, Edgar fait son topo, bon, et après, la parole est à la salle. Bon, on laisse un ou deux là, poser des questions. Puis, bon, je pose une question. Voilà. Monsieur Edgar Faure, quel est le point commun entre vous et votre suppléant? Bon, expliquez-vous. Bon, je dis, c'est que vous connaissez tous les deux fort bien la police, parce que vous, Edgar Faure, à vos moments de loisir, vous écrivez des romans policiers, lui, Maillot, parce qu'il a fait de la tôle à la Libération. Ça a été un bordel dans la salle. Ils sont amenés de Besançon, ils n'ont pas le droit, enfin, etc. Le frangin de Gaston Bordet, qui est entrepreneur à Pontarlier, qui est plutôt de droite, hein, nous a payé un coup à boire. Et je me souviens, on vraiment rigolait comme des bossus dans la deux chevaux en descendant. Bon, c'est des choses. Et alors, Lucifer était furieuse, hein, parce qu'elle ne savait pas que le maillot, Lucifer, qui est d'une famille, d'origine juive, hein, parce qu'il marchait. Hein. Bon, enfin, ça a été une histoire. Ceci étant, moi j'ai été amené à réviser mon jugement sur Edgar Faure. Vous savez, on disait la girouette, etc. Quand Mendès a été foutu dehors par la coalition des communistes et de la droite la plus dure, hein, alors qu'il y avait une fraction de la droite qui le soutenait, dont Marquis de Moustier, hein, c'est Edgar Faure qui a succédé. Et dans les affaires de la Tunisie et du Maroc, il s'est pas mal débrouillé. Il s'est pas mal débrouillé. Hein, avec des formules à l'Edgar, l'indépendance de l'interdépendance, etc. Mais il n'y a pas eu de gros pépins. Hein. Et justement, par rapport aux relations humaines,
Moi, ce qui m'avait, ce qui m'a frappé chez Edgar Faure, hein, c'est que chaque fois qu'il voyait quelqu'un pour la première fois, par un jeu de questions, il cernait les centres d'intérêt de son vis-à-vis. Et comme il avait une culture universelle, il pouvait se trouver sur la longueur d'onde de la personne qu'il avait en face de lui. C'était un exercice de séduction remarquable. Alors, il pouvait aussi bien parler d'affaires et d'agriculture si c'était des paysans, de droit si c'était des gens des familles libérales, mais c'était, enfin, ça supposait quand même une sacrée culture. Passons là-dessus. Alors, je voudrais conclure, d'abord pour dire que la laïcité a toujours été à géométrie variable. Elle ne s'appliquait pas de la même manière dans le second degré que dans le premier degré. Si vous prenez le second degré, dans les lycées, il y avait des chapelles, avec des aumôniers. Il en reste encore quelques-unes à Paris. Bon, mais si ça n'existe plus, ce n'est pas parce qu'il y a eu des lois pour les fermer. C'est parce que l'Église n'a plus été en mesure d'y nommer des aumôniers. Dans les écoles normales primaires, c'était extrêmement différent. Dans le Doubs, on n'appliquait pas la laïcité de la même manière qu'en Haute-Saône. En 1898, il y a une demande qui est faite pour que le catéchisme puisse être donné dans les locaux de l'école de Montbenoît. C'était une école intercommunale de 5 communes. Et le sous-préfet dit, on peut accepter exceptionnellement parce que la population est en train de se rallier à la République. C'était une affaire politique. Vous voyez, Montbenoît, la Bastiale, il n'y avait pas de locaux d'autres locales, même pour le catéchisme. Bon, l'Église était vraiment inchauffable. Il y a eu une dérogation. Même à Pontarlier, il y a eu une dérogation. Et les institutrices sont dénoncées parce que la tradition voulait qu'elle conduise les élèves à la procession de la fête de Dieu. Le sous-préfet dit, on ne peut pas sévir, car la population, quoique catholique, est républicaine. C'était une affaire politique. C'était une affaire politique. Là où il y avait l'acceptation de la République, il y a eu des accommodements. Par contre, là où, je pense à l'Ouest, où il y avait vraiment un milieu catholique qui était royaliste, là, alors là, il n'était pas question de... Et les républicains ont été extrêmement habiles. Ils n'ont pas fait des choses brutalement du jour au lendemain. En ce qui concerne la laïcisation des personnels, puisque dans l'école publique, il y avait des frères, et puis il y avait des religieuses. Bon, pour les frères, hop, suppression immédiate. Pour les religieuses, on attendait qu'elles partent en retraite. Pour plusieurs raisons. D'abord, on n'avait pas le personnel pour les remplacer. Et ensuite, en vertu des règles de leur ordre, elles étaient obligatoirement minimum 2. Une institutrice et une autre qui était garde-malade, qui rendait des petits services de ce genre-là. Les populations y étaient très attachées, y compris dans des communes républicaines. À Jougne, on avait voté non au plébiscite Napoléon III. On était républicain. Au nom de ce vote-là, le conseil municipal demande en 1898 à conserver la sœur. Ben oui, il y a toujours des situations comme celle-là. Et alors, puis les républicains, je me demande s'ils n'avaient pas, d'une manière assez maligne, s'ils n'avaient pas fait un calcul en disant ces religieuses, elles vont vouloir rester le plus longtemps possible, et ça finira par le fait qu'elles ne seront plus à même d'exercer correctement le métier. Si vous prenez par exemple Ouan, la source de la Loue, il y a une religieuse qui est encore en service à un âge très avancé, et il y a une lettre qui arrive à la préfecture. Je me permets de vous informer que nous avons à Ouan une religieuse comme institutrice qui a presque 80 ans et qui n'est plus capable, puisque ses élèves lui envoient des fèves à la figure sans qu'elle puisse les connaître. Bon, oui. Il y en a qui sont restés, qui sont accrochés. Puis la population finit par dire, ben non, ça peut plus marcher. À propos de ce qu'a été... Enfin, je pense qu'il y a eu deux sectarismes. Il y
Il y a eu un sectarisme laïcor, ça existait, ça existe encore d'une certaine façon, hein, et il y a eu le sectarisme intégriste. Hein. Alors voilà une histoire qui peut paraître étrange. Hein. Voilà un instituteur hein, qui est dénoncé parce que, on est en 1958, hein, il a invité des collègues à une réunion œcuménique un dimanche. Et dans le bulletin du syndicat majoritaire, hein, il est dénoncé hein, parce qu'il fait, c'est un virtuose d'un travail de termite. Vous savez qui c'était cet instituteur ? C'était Robert Schmitt. En 1958, il est dénoncé, usant, il est protestant, usant de sa liberté de fonctionnaire le dimanche. Bon, hein, il avait invité des collègues à une réunion, dans le vocabulaire religieux, ça s'appelait récollection, hein, et ça lui a valu une volée de bois vert, pas possible. Hein. Bon, la dernière, alors la haute zone, c'était beaucoup plus dur. Hein. Moi, le dernier incident que j'ai connu en haute zone, hein, c'était en 1965. J'étais responsable régional du SGEN. Et j'allais faire les démarches au rectorat pour les maîtres auxiliaires. Et la secrétaire, qui était vraiment très consciencieuse, me dit « Ah, écoutez, vous êtes directeur d'études au centre des profs de collège, là, vous avez été à l'école normale, je suis bien embêté. Le poste de psychopédagogie de l'école normale de garçons de Vesoul est vacant, in extremis. Il faut qu'on trouve un auxiliaire hein, pour assurer une suppléance. » Je lui dis « Ça tombe bien, je connais un instituteur de Haute-Saône qui vient de terminer sa licence de philo, qui comporte un certificat de psycho. » Bon. Oh ben, il m'a dit, voilà ce qu'il nous faut. Il est nommé. 15 jours après, la mesure est rapportée, parce que le syndicat des instituts, très puissant, influent, il dit, qu'est-ce que c'est ça? On nomme à l'école normale quelqu'un qui va à la messe. Bon, enfin, c'est insupportable. La décision est rapportée. Alors, je suis allé avec des collègues en délégation à l'inspection académique à Vesoul, qu'est-ce que c'est cette histoire hein. Alors, l'inspecteur d'académie dit, bah, écoutez, bon, je vais arranger ça. Et puis, en me raccompagnant, il fait signe, et il me dit, je suis le beau-frère de Bernard Cazes. Et Bernard Cazes était un des très hauts fonctionnaires au commissariat au plan qui travaillait avec la revue Reconstruction de la CFDT. C'était vraiment un des bras droits de Rocard. Hein. Il me dit ça, je suis le beau-frère de Bernard Cazes. Raison de plus, parce que j'arrange ça. Ça s'est arrangé. Le collègue en question est devenu prof, il a été titularisé, il a été inspecteur primaire, il a fait une très belle carrière, sans problème majeur. Et je voudrais terminer sur un point qui a trait à une question qui est devenu vital. Je n'ai pas parlé de l'islam. Moi, mon travail, ça n'est pas pour répondre aux problèmes concrets qu'on peut avoir aujourd'hui. Il y a d'excellents bouquins là-dessus, il y a des guides, le ministère de l'Éducation nationale vient d'en sortir un, mais simplement, hein, j'ai déjà dit que dans ces affaires, par rapport au monde musulman, il y a des problèmes qui sont liés à une méconnaissance de l'histoire. Hein. Ça ne veut pas tout dire. Hein. Et alors, il m'est arrivé une aventure hein, assez curieuse. En 1997, j'ai sorti un livre sur l'histoire de l'antisémitisme en Franche-Comté. J'étais plus usé depuis longtemps. Hein. Et dans ce livre, j'avais reproduit les débats de l'Assemblée, de la Chambre des députés, lors de l'investiture de Léon Blum, un député d'extrême droite, qui entre parenthèses allait devenir le premier commissaire aux affaires juives sous Vichy, l'interpelle. Pour la première fois, ce vieux pays gallo-romain sera dirigé par un juif. Et Édouard Herriot, que je retrouve, qui préside, lui dit hein, Monsieur, quant à moi, dans ce pays, je ne connais ni juif, comme vous dites, ni protestants, ni catholiques, je ne connais que des Français. À l'époque, j'avais demandé que cette page figure dans la formation des maîtres, parce que je considérais que c'était un moment important dans l'histoire de la laïcité. Personne n'a réagi.
je prépare mon bouquin sur la laïcité et je reprends ce document. Et voilà, que c'est il y a 2 ans, je me dis, mais enfin, comment ça se fait que tu n'as pas réagi ? Édouard Herriot, il dit, je ne connais ni protestants, ni catholiques, ni juifs, je ne connais que des Français. Il ne dit pas ni musulmans. Or, en 36, il avait déjà plusieurs dizaines de milliers qui étaient dans la main-d'œuvre. Et il y avait les 3 départements français d'Algérie, où ils étaient 5 millions. Hein. Et Édouard Herriot, ce n'est pas une question de censure. Hein. Il ne s'est pas censuré, ce n'est pas volontiers. Ils étaient invisibles. Ils étaient invisibles. Hein. Et ça, c'est une, il faut faire très attention, hein, une des données de la crise qu'on peut avoir avec le monde musulman. Hein. C'est une des données. Alors moi, je ne suis pas de ceux qui disent les réactions de radicalisation, etc., sont liées à la marginalité sociale. Dépendent d'abord de la marginalité. C'est pas vrai. Hein. Parce que quand les musulmans, la main-d'œuvre nord-africaine, hein, vivaient de façon ignoble à Besançon, dans les années 50, hein, il n'y avait pas de radicalisation. Et il y avait de quoi se radicaliser. Hein. L'abbé Chaïs, hein, raconte comment, par exemple, il est allé en voir qui logeait sous, vous savez, ces abris sous roche qui est en dessous de la citadelle. Hein, et il voit l'un d'entre eux, hein, qui lui montre la cicatrice de la blessure qu'il a eue au combat de la libération près de Servance. Hein, et il avait gardé la citation qu'il a eue. Hein, il vivait dans des conditions ignobles. Hein, il n'y avait pas de, radicalisation. Il hein. Faut dire que la forme que prenait l'appartenance à l'islam n'avait rien à voir avec certaines formes qu'on connaît aujourd'hui. Hein? C'est ça qui est capital. Il y a 3 ans, hein, en dépouillant la presse, pour le topo que je fais aux coupes jubilaires le 14 juillet, je tombe sur un fait divers, un incendie dans des combles, hein, d'une vieille maison dépendant de la faïencerie de Casamène, combles dans lesquels vivaient des familles d'immigrés espagnols, nord-africains, etc. 3 morts. Deux morts. Une femme espagnole et une petite gamine algérienne de 5 ans. Comment organiser les obsèques? Tiens, voilà une dame qui t'amène des fleurs, là. Eh ben, c'est bien. Et c'est l'abbé Chaïs qui, sans prosélytisme, s'occupait de faire respecter les rites musulmans. L'office religieux catholique pour la dame espagnole a eu l'église de Velotte, les musulmans attendaient la sortie. Tout le monde est allé au cimetière, et là, c'est l'abbé Chaïs qui a récité les sourates, hein, traduites en arabe par un ouvrier de la Rodia. Bon, il n'y avait pas d'organisation du tout du culte musulman. Hein. Moi, je ne suis pas de ceux qui excusent la radicalisation par la marginalisation sociale. Hein. J'ai vu un texte, ça m'a inquiété, de la secrétaire du syndicat de la magistrature, qui dit ça, oh là là, il faut quand même faire attention. Hein. Hein, il faut savoir que il faut, si on veut lutter contre la marginalisation, il y a des, naturellement, l'essentiel relève du domaine économique et social, mais peut relever aussi du domaine culturel. Hein. Par exemple, une des choses à faire, c'est de restituer leur histoire à des gens qui en ont été privés. Et il y a une souffrance consciente ou inconsciente qui en découle. C'est la raison pour laquelle, à la ville, j'avais pris l'initiative qu'on fasse une plaquette sur ce qu'a été l'histoire des Nord-Africains Besançon, de la libération à l'indépendance de l'Algérie. Elle existe toujours, si vous pouvez la demander au service com de la ville. Et quand on a présenté cette plaquette, j'ai vu des vieux retraités des travaux publics qui ont pleuré. Hein, parce qu'ils reconnaissaient dans les photos les lieux où ils étaient, dans des casemates là, au glacis ou des machins comme ça. Hein. Donc, il a quand même fallu attendre Jean Zé pour qu'il y ait 2 postes de langue arabe dans l'enseignement secondaire en France, hein, à Marseille, autre lycée Louis le Grand Paris. L'arabe est quand même une langue de culture importante. Hein. Bon, donc...
C'est la raison pour laquelle, dans la conclusion de ce livre, hein, je rappelle cette affaire-là. Hein, si Édouard Herriot n'a pas parlé des musulmans, c'est parce qu'ils étaient invisibles. Hein, restituer leur part d'histoire, y compris l'histoire coloniale, hein, ça n'est pas offert de la repentance systématique, c'est simplement une question qui est une question de culture. Voilà, je vais un peu bavarder un petit peu au hasard. Oui. Par rapport à ce que tu disais sur les musulmans, ce que tu dis c'est exact, c'est juste. Oui. C'est vrai que dans le passé, les musulmans vivaient dans des conditions encore beaucoup plus marginales qu'on croyait, mais cette marginalité aujourd'hui existe. Et ça constitue, et existait, oui, ça constitue un terreau fertile. C'est vrai. Donc il y a un grain qui est rajouté, qu'on a mis dans ce terreau fertile, c'est l'islam politique. Voilà. Voilà. Donc c'est ça qui donne la suite. Justement, je voulais juste dire que ta réflexion est juste, sauf qu'il manque ce... Oui, oui. Voilà. Donc c'est ça qui... Alors, tout le problème est de savoir comment on est passé de cet islam des caves, hein, tel qu'il a existé dans la période des Trente Glorieuses, à l'existence de nouvelles mouvances au sein de l'islam, actionnées par la propagande de certains États, des choses comme ça. Hein, là est vraiment la question. Hein. Et là, j'ai une petite idée là-dessus, en privé, je t'en parle. Alors, je dis une chose, puis tu dis ta petite idée. Hein. Par rapport, effectivement, enfin, au changement de comportement, hein, qui se traduisent notamment dans le vêtement. Hein. Alors, moi, je n'ai pas de texte juridique prêt sur le port du voile, des choses comme ça. Je dis, il y a des spécialistes et il y a des manuels qui font ce qu'ils font. Mais j'ai fait une déclaration à la presse qui a été reprise, hein, en disant, un peu brutalement, une femme voilée de plus, c'est 10 voix de plus pour le FN. Hein. J'ai dit ça. Hein. Je pense que quand on est dans une population, appelons-le, le terme est peut-être mal choisi, évoluée, on doit avoir une conscience politique. Et on doit avoir le sens de la pédagogie. Hein. Étant entendu que je ne vais pas me prononcer sur, je ne suis pas spécialiste, hein, quand Germaine Tillon était en Algérie, elle a travaillé auprès de femmes qui n'étaient pas voilées, les femmes. Il n'y avait aucune femme voilée en Algérie à l'époque. Hein. Bon. Mais que des femmes musulmanes portent sous des formes discrètes, elles n'ont pas à avoir, je ne reproche pas de ne pas avoir une conscience politique. Mais quand on a une responsabilité politique et syndicale et qu'on se voile, alors là c'est grave. Et là, je pense que ce qui se passe à l'UNEF est vraiment consternant. Oui. Voilà. Alors, ta petite idée. Moi, je veux réagir sur plusieurs points, si vous me permettez. Alors, déjà sur Germaine Tillon. Alors, elle a travaillé effectivement en Algérie, mais elle a travaillé avec des populations berbères. Oui, berbères, oui. Donc, qui ne sont pas toutes musulmanes. Hein, puisque enfin, qui sont musulmanes officiellement. Officiellement, voilà. Donc, déjà, ça c'est le premier point. Sur ce qu'a dit notre ami Miraj, voilà, je souhaite rebondir aussi. C'est-à-dire que l'islam a toujours été politique. Mmh. Quelle est la différence, de mon point de vue à moi, entre les années 60 ou bien avant et ce qui se passe aujourd'hui? C'est l'instruction. Mmh. Les années 60, on avait affaire à une population plutôt, j'aime pas trop le terme, mais je vais quand même l'employer, analphabète, illettré. Aujourd'hui, on a affaire à des personnes qui ne sont pas illettrées, qui sont instruites. Elles savent ce qu'est l'islam,
elles reconnaissent leur histoire. Il y en a beaucoup qui cherchent, qui se cherchent. Et c'est celle-là la différence. Bien sûr, il y a une influence du Mashiach, ça c'est sûr. Une influence. Du Mashiach, c'est-à-dire du côté de l'Égypte, de l'Arabie saoudite, etc. Sur l'aspect vestimentaire, c'est clair, puisque les populations nord-africaines, en général, ne portent pas les mêmes vêtements. Mais il y a cette influence-là qui n'est pas négligée et qui vient bien sûr de la mouvance des frères musulmans, qui sont, pour certains, qui sont allés en Algérie, qui ont eu des chaires à l'université. Alors, je pense qu'en Algérie, ils se sont rendus compte, je parle que de l'Algérie, hein, ils se sont rendus compte qu'il y avait eu une erreur, donner des chaires à des personnes qui avaient été rejetées par l'Égypte. Donc ça a fait vraiment... Voilà, c'est ce qui a donné un petit peu les problématiques de la décennie noire en Algérie. Mais c'est vrai que ce qui pose problème, c'est surtout c'est pas un problème, mais c'est ça la différence. C'est qu'avant, on avait des personnes illettrées, ils ne connaissaient pas leur histoire, ils ne connaissaient pas l'islam, ils ne connaissaient pas tout à fait l'islam. Aujourd'hui, on a affaire à des populations qui sont plus instruites et qui cherchent ce qu'ils sont. Pour la plupart, ils se sentent rejetés ici, donc ils se cherchent, ils cherchent leur culture, et souvent, ils ne font pas les bons choix par méconnaissance, parce que l'islam, c'est vague, c'est grand, c'est nébuleux même, et il faut faire un tri des références pour vraiment avoir affaire à un bon islam, l'islam, hein, avec un grand I. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Ta petite idée. Avant de te donner ma petite idée, je voudrais quand même revenir sur le sujet, la laïcité. Parce qu'on est là pour discuter de ça. Moi qui viens de loin, hein, je suis né à 6000 km d'ici en Iran, pour moi la laïcité c'est une bouffée d'oxygène. J'apprécie tellement. Je crois que pour des gens libres de penser, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, malheureusement, moi je pense que dans le monde, il y a deux pays officiels qui sont laïcs officiellement, c'est la France et la Turquie. La Turquie est rongée par Erdogan, polluée, je dirais. Et nous, malheureusement, on n'est pas à l'abri non plus. Donc, c'est là que les lois que nous avons, l'arsenal qu'on a, j'ai l'impression d'être un peu obsolète. Par exemple, quand on parle des lois de 1905, séparation de l'État et l'Église, pour moi, aujourd'hui, c'est un peu obsolète. Peut-être qu'on devrait dire la séparation de l'État et des religions, ou la séparation de l'État ou la religion. Je sais pas. Il faudrait qu'on change cette loi-là pour que ça soit clair. Jusqu'en 1905, il y a eu une bagarre entre les laïcs et les cathos, les catholiques et les juifs. Finalement, en 1905, ils ont cédé, ils ont accepté la règle du jeu. Sauf qu'aujourd'hui, on peut rajouter aux catholiques et les juifs, les musulmans. C'est une réalité. Donc les musulmans, aujourd'hui, se comportent en France de la même manière que les catholiques avant 1905. Et à un moment donné, il faudrait qu'on leur fasse comprendre que, les autres ont accepté cette loi, il faut que vous l'acceptiez aussi. Donc là, j'ai l'impression qu'on est un peu dubitatif là-dessus, on se comporte un peu mal là-dessus par rapport aux musulmans de France, qu'on respecte, que ce sont nos compatriotes, mais j'ai l'impression que il y a quelque chose qui est mal construit là-dedans. Donc c'est pour ça que... Alors, en tout état de cause, moi j'insiste beaucoup sur la formule
La République ne reconnaît aucun culte, mais elle les connaît. Par exemple, il y a quand même un problème d'agrément d'aumôniers musulmans, notamment dans les prisons. Oui. Hein? C'est un énorme problème. La République est bien obligée de savoir qui se propose ou est proposé pour assurer cette fonction dans un milieu qui est particulièrement délicat, parce qu'il se trouve que, et là, ce sont souvent des lieux de radicalisation. Hein? Alors, quelles sont les possibilités de formation d'aumôniers qui soient en conformité avec nos lois républicaines? Il y a Chevènement qui fait une intervention demain à Ronchamp sur ces questions-là. Bon. Il y a ce statut spécifique de l'Alsace-Moselle, avec des facultés de théologie catholique et protestante. Bon. Il y a ceux qui demandent l'abrogation du jour au lendemain du dit statut. C'est pas possible. L'histoire eut égard au poids énorme de l'histoire de l'Alsace-Moselle. Hein? Il faut savoir qu'au début de la guerre de 14, une partie de l'Alsace a été, j'allais dire, libéré par les Français. Tam, c'est qu'on a toute une partie de l'Alsace, enfin, minime. Toutes les autorités françaises y sont allées saluer le retour de la province perdue. Hein. Et toutes, à commencer par Poincaré, prendre la République, ou par Joffre, le chef des armées, ont dit, quand on aura gagné, on respectera vos particularités. Quand on a voulu les remettre en cause en 1924, il y a eu des manifs énormes. Hein? C'était Hériot qui était là. Oui, c'était Édouard Hériot. Il a voulu mettre un terme aux particularités. Hein? Ou des chats noirs, ils ne sont pas forcément laïcs. Hein? Et il a voulu mettre un terme. Il y a eu 20 000 manifestants à Besançon pour protester contre ça. Il a été obligé de reculer. Soit dit au passage, la suppression du statut spécifique de l'Alsace-Moselle n'a figuré dans aucun programme de gauche, à commencer par celui du Front populaire. C'était trop délicat. Il faut y aller petite touche par petite touche. Quand je parle de petite touche, hein, progressive, il y a une chose qui est passée inaperçue. Dans le fameux code spécifique de l'Alsace-Moselle, il y avait un texte qui venait de la période allemande sur l'infraction de blasphème. Or, c'est assez curieux, c'est une semaine avant l'affaire de Charlie que les représentants des trois cultes autorisés, catholiques, protestants et juifs, avaient ensemble demander que ce texte, qui n'a jamais été appliqué, heureusement, soit aboli. Hein. Il y a des dispositions comme, par exemple, concernant l'enseignement religieux, hein, qui était obligatoire, sauf dispense, en renversant l'ordre des choses, en demandant que ce soit les familles qui demandent leur inscription, ben, on avance étape par étape. Hein. Mais demander l'abrogation du jour au lendemain, c'est se heurter, hein, à l'hostilité d'une population qui est quand même profondément traumatisée, hein, par une histoire qui est terrible. Qu'en est-il de leur monument aux morts, hein? Et puis il faut savoir aussi que sous l'occupation, hein, la cathédrale de Strasbourg a été interdite aux cultes, hein, que les congrégations qui enseignaient dans l'enseignement public, hein, ont été proscrites parce qu'elles étaient francophiles. Les fameuses sœurs de Ribeauvillé, hein, qui étaient devenues en Franche-Comté à Frame de Château, là, avec leur banc. Hein. Elles ont été interdites. Il y a eu toutes sortes de mesures de ce type-là. Hein. Et puis vous avez toute l'affaire des malgré nous, enfin, c'est quelque chose. Il faut y aller par petites touches. Hein. Et je vous dis, il n'y a aucun programme de gauche, hein, qui en a demandé. Bon, alors Mélenchon peut crier tout ce qu'il voudra. Hein. Non, c'est pas. Là aussi. C'est une affaire qui est une affaire de pédagogie. Alors, est-il possible qu'à Strasbourg, il y ait une structure de formation, hein,
pour, j'allais dire, des imams, des aumôniers musulmans républicains, peut-être pas impossible. Et à propos de Strasbourg, une histoire extrêmement curieuse. Il y a eu, il y a un an, l'élection du président de l'université. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Et c'est un professeur de la faculté catholique de théologie qui a été élu président, à une énorme majorité. Et alors à ce moment-là, l'UNEF a crié au scandale en disant « Qu'est-ce que ça ? C'est un pion du Vatican, un truc dans, dans un style le plus combiste qui soit. » Or, au conseil d'administration de l'Université de Strasbourg, l'UNEF n'a plus qu'un seul siège, et encore l'a-t-elle conservé qu'en faisant liste commune avec l'Association des étudiants musulmans de Strasbourg. Ils étaient mal placés pour donner des... Donc moi, c'est ça qui me paraît fondamental, hein, qu'il y ait des ministres de ce culte qui soient des ministres des républicains. Enfin, l'affaire, notamment, hein, de faire venir des imams envoyés par des pays, que ce soit le Maroc, l'Algérie, en concurrence d'ailleurs entre eux, en se bagarrant entre eux, c'est quand même plus que discutable. Voilà, mais alors je ne sais pas. Alors, finalement, dans les formations, il y en a une qui est donnée par l'université, l'Institut catholique de Paris, à une formation. Mais il faut voir aussi que les universités privées sont concurrencées désormais par des universités privées intégristes, qui disent que les universités catholiques sont beaucoup trop progressistes. C'est dingue. Hein. De même, alors je n'ai pas parlé de la loi Debré, etc. Hein. De même, il y a désormais beaucoup d'écoles hors contrat. Hors contrat. Hein. Alors que la loi Debré, c'est une loi qui prévoit des contrats. Et qui prévoit l'accueil sans distinction de religion. Les établissements privés d'enseignement sous contrat au titre de la loi Debré, hein, accueillent, sont tenus d'accueillir des élèves, quel que soit leur... elles ne peuvent pas leur imposer un enseignement religieux. Il est facultatif. Hein. Enfin, voilà. Je peux te poser une question. Je t'en prie. Je voudrais savoir ton point de vue sur l'application, la laïcité par notre gouvernement actuel. Parce que j'entends des fois des propos qui sont surprenants. Là... D'abord, il y a une chose, le président de la République a été très lié au philosophe protestant Ricoeur, qui sur ces questions-là avait beaucoup travaillé. Il a été président de la Fédération protestante de France, puis il a été président de la Fédération protestante de l'enseignement. Il y a un groupement d'enseignement protestant. Donc il y a cette dimension-là. Et puis, je trouve que je connais bien Gérard Collomb. Il est franc-maçon, il ne s'en cache pas. Mais il y a toujours eu à Lyon des aspects très particuliers. Notamment, le conseil municipal se rend à la fête des Lumières, la fête de l'Immaculée Conception le 8 décembre, se rend à la cathédrale. Moi, je suis... Alors, tu penses à quoi précisément ? Des propos à l'intérieur de discours qui font penser que ça relève un peu du sarkozisme quand Sarkozy a dit tu te rappelles ce qu'il avait dit? Alors il y a aussi l'éducation qu'il a eue, bien sûr, mais qu'il n'est pas le seul, hein, puisque le député Ruffin était élève du même collège que jésuite que il va y avoir sans doute beaucoup de, là aussi, des discussions, parce que si j'ai bien compris, il doit se rendre au Vatican. Pour être nommé chanoine. Oui. Oui. Bon. Oui, c'est du folklore. Ça, c'est du folklore. Oui, c'est du folklore. Non, mais enfin, il y a quand même des moments où tu t'interroges quand tu écoutes et que tu entends aussi. Ah, ceci étant, hein, ça se situe dans un contexte. De même qu'il y a une radicalisation dans le monde de l'islam,
tout ce qui est tradit, ultra tradit en milieu catholique, détient de plus en plus des postes de responsabilité. Hein? Oh là. Oh là. Et l'enseignement privé, au plan national, est en train de se demander s'il n'est pas progressivement déstabilisé par les intégristes. Hein? Et là, c'est difficile. Voilà. Et donc, Joseph m'avait proposé, j'y accède bien volontiers, de refaire un propos plutôt à l'automne cette fois-ci. Là, ce sera plus de l'instruction civique d'ailleurs, ce sera sur les différents modes de scrutin et les implications que ça fait. Parce qu'effectivement, on ne peut pas envisager les élections d'une même manière selon le mode de scrutin. Et c'est très très important. En tout cas, merci encore, Joseph. Simplement un mot, hein. Oui. Quand je pense que la proportionnelle nous a valu sur la intégrale 25 gouvernements en 12 ans et que Mendès France a été renversé par l'addition des voix du PC et de la droite la plus dure, hein, c'est dingue. Hein. Alors, là, si j'ai bien compris, ça vaut aussi en Espagne. Mais en Allemagne, pour renverser un gouvernement, il faut que le texte, qui est l'équivalent d'une motion de censure, comporte le nom du chancelier ou de la chancelière qui remplacera celui qui sera mis en minorité. Ben, mettez d'accord Mélenchon, Le Pen et Wauquiez, ben, vous verrez. Ça fait l'Italie. Je vous souhaite bien du plaisir.